Maybe, maybe, maybe I wanna be with you. Maybe, maybe, maybe I wanna be your wife. Maybe, maybe, maybe I wanna be with you. Maybe, maybe, maybe I wanna be your wife. Without you, I'm not feeling. Pas un geste. Je te vois. Je te trouve comme le voleur qui vole nos richesses à l'est de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Calme-toi, calme-toi. Je suis pas un rebelle. Toi face à moi. Tu ne mérites pas de vivre. Je te tue. Calme-toi mon frère. Nous sommes en famille. Pose ton arme par terre. S'il te plaît. Lick, ne me tue pas. Pose ton arme par terre. À quoi tu joues? Tu me feras plaisir de poser ton arme par terre. Sinon, je vais exploser ta petite tête. Lick, pose ton arme par terre, Lick. Merci, Serena. Tu viens de me sauver la vie. Et je n'ai jamais touché à ça. Merci. Without you, I'm nothing. You were my everything. Emerson, comment est-ce que tu peux insulter Candy? Elle est classe. Elle a l'argent. Elle sort d'une bonne famille. Et alors? Et alors quoi? Sois raisonnable, mec. Tu risques beaucoup de choses. Mec, conseil d'amis, ouvre bien tes yeux pour voir. Je suis aveugle. Où veux-tu me citer à cause de Candy? Tu viens de parler de l'argent, la classe, bonne famille. Quel rapport y a-t-il entre l'argent et l'amour, putain? Ta promotion est celle de ton père et Angers. Alors ne sois pas un gamin pour comprendre. Tu as besoin plus de l'argent. Et aujourd'hui, si tu es comme ça, c'est grâce à Candy. Tu es complice? Non. Ce que je veux, c'est ton bonheur. Bonheur? Alors parlez-moi de Mamadji. Il y a du bonheur pour voir l'agence Mamadji. Luc, comment tu peux sortir sans nous signaler? Une semaine hors de la maison. Je suis trop prise avec mon travail et la maman reste seule à la maison. Ce n'est pas bien, Luc.
Si moi j'étais absent, où est-ce qu'il était? De qui parles-tu? De ton Fred. Ne me dis pas que tu es jaloux de Fred. Fred est un homme bien, gentil, doux et romantique. Tu viens de parler du romantisme. Donc Fred est gentil, doux et romantique. C'est trop amusant. Écoute une fois de plus, Serena. Je ne veux pas de cet homme dans cette maison. Ce n'est pas un bon homme pour nous. Je ne suis pas jaloux. Mais j'ai du mal à lui adresser la parole. Ouf. Je te comprends, Luc. Apprends à vivre ensemble avec les inconnus. Et d'ailleurs, la Bible nous recommande l'amour du prochain. Prends bien soin de toi. À ce soir, Luc. La Bible. Je ne peux jamais aimer un inconnu, moi. Mais toi, Serena, je t'aime, ma petite sœur. Black, tu peux m'apporter de l'aide à retrouver la petite? Je la sens, moi. Comment est-ce que tu peux tomber amoureux d'une petite? Pendant que tu as ton amour, ta fiancée Candy. Ce que j'ai trouvé chez la petite, Candy n'en a pas. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon chez la petite? Et ce qui manque à Candy? Tu dois m'aider à retrouver la fille. Oui ou non? Ok. Je vais t'aider à retrouver la petite petite. Salut mon cœur. Ça fait quelques jours, on ne se voit plus. Je suis en voyage. Dès que je rentre, je te ferai signe. Je suis dans une mission de service, ok? Emerson, tu te rends compte de ce que tu fais? Pourquoi tu la trompes? Arrange ça. Ok. D'abord, aide-moi à retrouver la petite. Luc, on est foutu là. Il faut exécuter cette jeune policière. Elle a confisqué nos drogues. Elle a tué l'un de nous. Comment vous pouvez être lâche jusqu'à ce point? Une fille vous gagne jusqu'à ce point. Elle mérite la mort. Dans 48 heures, je vais apprendre que cette jeune policière est morte. Tiens. Hé, doucement. Luc, cette jeune policière, elle est approchée de partout. Si elle est là, nous sommes nuls. Luc.
Il est où, Gustavo? Le numéro de ce Gustavo? Gustavo, il est où? Voilà, il est là. Oui, Gustavo. Oui, patron. Où en êtes-vous? Je voulais parler de préparatifs pour le mariage de nos enfants. Les choses s'avancent bien. D'ailleurs, mon fils est très content. Les deux se préparent très bien. Leur couple est très merveilleux. C'est génial, toi. Je t'avais dit, Comment tu peux faire ça? Je t'avais dit vraiment. Si tu me fais la honte, nous n'allons pas attendre. Et ce que je vais te faire, tu vas le regretter. Et en plus, tu ne seras plus mon fils. Tu n'as pas les soucis de notre vie? Tu veux que je perde mon job? Tu ne veux pas que mon fils se marie? Allez, sors de chez moi! Mais papa, c'est Black! Emerson, si tu n'épouses pas Candide, je le savais. Tu seras régné. Tu ne seras plus mon fils jusqu'à ma mort. Mais papa, tu dois faire ce que moi je vais attaquer ton père. Tu dois épouser Candide pour sécuriser, protéger nos biens et notre promotion. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Angela, j'aime mes raisons de tout mon cœur. Mais je sais pas quoi faire pour que mes enfants m'aiment et qu'il accepte de m'épouser. Je me demande s'il a d'autres femmes. Raison pour laquelle il réagit de la sorte. Tu ne comprends rien, je suis perdue. Non. Je ne crois pas que Merson ait une autre femme. Avec le temps, ça ira. Sois toujours forte. C'est toujours ton mari. Je vais te soutenir jusqu'à la fin. J'ai vraiment besoin de ton aide, Angela. J'aime Merson et je veux vraiment qu'il soit le père de mes enfants. Tu dois toujours intimider son père. Pour faire peur à Merson, pour que tout se passe vite. D'accord. Tu sais quoi? Quoi? Si tu m'aides pour Emerson, je mettrai 2 millions de francs sur ton compte. Et puis, c'est pas tout. Je paierai 2 billets de Dubaï pour nous deux. Mais à une seule condition. Laquelle? Tu m'aides d'abord. Bien sûr que oui. Luc, Serena vient d'arrêter l'un de nous. Nous devons l'exécuter. Cette Serena. Mais Lick, où vas-tu? Be love. I wanna be with you, be love.
Les filles, j'ai quelques conseils à vous prodiguer. Une puce ne se marie jamais. Elle ne peut jamais tomber amoureuse. La puce qui osera tomber amoureuse. Elle sera mise hors de mon agence. Et on va la faire souffrir. Bien compris? Yes, maman G. Yes, maman G. Je te comprends, Luc. Apprends à vivre ensemble avec les inconnus. Et d'ailleurs, la Bible nous recommande l'amour du prochain. Prends bien soin de toi. À ce soir, Luc. La Bible. Je ne peux jamais aimer un inconnu, moi. Mais toi, Serena, je t'aime, ma petite sœur. Serena, ma petite sœur. Oh, mon frère. Salut. Salut. Comment tu vas? Je veux bien. Salut, Luc. Je suis tellement fatigué. Je vais dans ma chambre. D'accord, à tout à l'heure. Ok. De quoi parles-tu, Luc? Je sais qui tu es. De quoi parles-tu, Luc? De quelle bande es-tu? Je t'ai allé. Bon, bah. Bellewood Ciné vous présente Les goûts de l'amour. Luc? Comment tu peux sortir sans nous signaler? Une semaine hors de la maison. Je suis trop prise avec mon travail et la maman reste seule à la maison. Ce n'est pas bien, Luc. Si moi j'étais absent, où est-ce qu'il était? De qui parles-tu? De ton Fred. Salut mon cœur, ça fait quelques jours, on se voit plus. Je suis en voyage. Tu dois convaincre ton fils à m'épouser. Au cas contraire, vous serez viré de notre entreprise. Du calme, madame. C'est mon fils. Je vais essayer de lui parler. Ayez vos apaisements. Ah. La personne que tu dois éliminer, l'assassin de votre père, Django et nos frères. Lâche-moi! Oh, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? C'est vraiment amer. Si je suis policière, c'est pour venger la mort de mon père. Venger la mort de ton père, ouais. Connaître les assassins en question.
fille, vous savez quoi? C'était pour ma toute première fois d'être tabassée par un client. Tabassée par un client? Réclamant son argent. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Mais Luc, de quoi tu parles? C'est comme s'il y a quelque chose qui Mais Luc, arrête! C'est comme s'il y a de l'amour entre vous deux. Jumbo nous a trahis. Reste là! Hé! Hey, pose ton âme par terre! Lâche traite! Pose le tu nous as trahis! Désormais, ne m'appelez plus Jumbo. Je suis Fred. Arrête avec les bêtises, Jumbo. Depuis quand c'est devenu Fred? C'est pour tromper Serena et sa famille. La voilà. Donne-moi, c'est quoi? Je lui ai payé mon argent pour qu'elle puisse me satisfaire. Emerson est mon fils. Il fera ce que moi, son père, je veux. Le mariage aura bel et bien lieu. Pas un geste. Toi face à moi, tu ne mérites pas de vivre. Pose ton arme par terre. À quoi tu joues? Si tu ne poses pas Candy, je le savais. Tu seras régné. Tu ne seras plus mon fils jusqu'à ma mort. Mais je sais pas quoi faire pour que Mersonne m'aime et qu'il accepte de m'épouser. Luc, Serena vient d'arrêter l'un de nous. Nous devons l'exécuter. Cette Serena. Une puce ne se marie jamais. Elle ne peut jamais tomber amoureuse. Bien compris? Yeah.